Et nous allons attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec l'une des grandes dames de ces Jeux de Sydney, Elena Zamolochikova, à l'un de ses agrès préférés, les barres asymétriques. Et c'est parti tout de suite avec des changements de face à l'équilibre. Grand tour autour du bras, un salto avant Jaeger, bien rattrapé. Un tour complet à l'équilibre, nouveau tour complet à l'équilibre. Franchissement dorsal, catch off, voilà le gros programme. Salto arrière tendu entre les barres. Et on remonte à la barre supérieure, bien évidemment. Avant de nous préparer la sortie, accélération fouettée et vrille, salto arrière, corps groupé, parfaitement stabilisé. Voilà le petit feu d'artifice d'Elena. Ça démarre très fort, ça démarre très vite, avec des athlètes qui, pour la plupart, sortent d'une série de galas absolument incroyables. Ils terminent ici au Zénith. Il y a quelques athlètes un petit peu fatigués, mais on en voit d'autres qui sont extrêmement affûtés encore, dont Zamolochikova. C'est certain qu'il est un petit peu difficile de tenir la cadence encore pendant 3 mois après les Jeux Olympiques pour pouvoir aller rencontrer le public là où il se trouve, en France et à l'étranger, mais bien évidemment ici à Paris. Elena Zamolochikova sur une vrille salto arrière.